chaque année porte ces beaux événements. Mais je pense que ce qui est le plus affolant, c'est ce que j'appelle le phénomène de la post-vérité. Enfin, c'est les médias qui ont sorti cette appellation-là, qui est assez affolante parce qu'on n'est plus dans le domaine de la raison, de l'analyse des faits, mais vraiment dans une projection émotive de la perception. La perception qu'on a des choses devient la réalité. Et c'est très dangereux, on l'a vu aux États-Unis, et l'effet que ça a pu produire. Et ça, je pense que c'est la chose que je trouve la plus épeurante de l'année qui vient de se terminer. Si on pense à certaines radios ou certaines tribunes publiques où on sent vraiment un décrochage d'une partie de la population à l'égard des institutions, à l'égard même des artistes, il y a une espèce de clivage qui fait que comme si il y avait les privilégiés de la société et les autres, et que les autres payaient pour... Et je pense que c'est vraiment dû au fait que le système néolibéral vraiment nourrit cette perception-là des choses, et des fois à raison, et qu'il y a un rééquilibre à trouver de partage des richesses. Tout nous ramène à l'éducation, c'est-à-dire que s'il y avait vraiment une valeur ajoutée à l'éducation, et pas seulement l'éducation pour les mieux nantis, mais vraiment un chantier qui serait mis de l'avant avec vraiment la thématique de l'éducation. Je pense qu'il faut vraiment remettre toute notre attention dans ce segment-là de l'activité humaine et sociale, parce que je pense que là, on peut éviter tous les écueils et toutes les dérives que peuvent entraîner l'événement de choses comme la post-vérité et quand on occulte les faits au profit d'idéologies qui vont dans tous les sens. Donc, moi, j'aimerais beaucoup qu'au Québec, on fasse place à un grand chantier de réflexion, mais aussi de réinvestissement, de valeur ajoutée à l'éducation, parce que je pense qu'avec ça, on peut vraiment éviter tous les écueils qui sont liés au clivage social et aussi à la sensation que les gens ont d'être exclus des décisions des grandes institutions ou des décideurs, de nos décideurs politiques.